Ah, la caméra a un petit peu bougé. Même si je sais que les puristes rectifient en temps réel, par eux-mêmes. Traverser la moelle et chercher la sortie des 5. Même si je sais que les puristes rectifient d'eux-mêmes en temps réel, j'ai préféré bouger la caméra un tout petit peu sur la droite pour vous éviter mon volet. Donc on doit retourner. Ah non, mais je me suis planté. Il faut qu'on retourne voir O'Neill pour qu'il nous aide à localiser le tueur en série. Donc il faut qu'on retourne à l'ordinateur. Voilà, qui est ici. Non, ça c'est pour sauvegarder. Ça c'est la cafetière. Il est où le computer? Voilà, il est ici. Voilà. Toutes mes confuses. Fait une petite pause. Et là, quand on revient, on voit une échelle, on la monte. Voilà, traverser la moelle et chercher la sortie des 5. Allez, on va faire semblant d'avancer. Même si on sait, et vous le savez, que c'est le taux de chargement qui compte. C'est pour l'immersion, c'est la suspension consentie d'incrédulité, ça va nous aider. Voilà. Alors, on est revenu où là? On a de la munition, hein. Ça, c'est pas le truc qui va nous manquer. On est revenu. Je regarde ma petite carte. Ah oui, d'accord. Donc il va falloir qu'on aille à la planque, qui va être un point de sauvegarde. Je crois que on avait trouvé tous les cadavres, hein. Bon, c'est à 178 mètres. Ah. Eh ben tiens, en parlant de cadavres. On en a trouvé un autre. Il a 48 mètres. Regarde ça. Ça, qu'on le loupe pas. Quoi. Doit être le passage dont parlait O'Neill. Voilà, le fameux D5. Et qui s'ouvre curieusement après, quoi. Bon, on est dans un jeu vidéo. La moelle, tunnel d'accès ouest. Prendre cette voie-là maintenant. Lily. Lily? Cet endroit me rend dingue. Oui, puis ta fille, ça te rend pas dingue, ça, ta fille qui écoute rien, là, qui disparaît. Alors, on va, voilà. Non, là, c'est trop. Là, on la ralentit un peu. Voilà. Oh, là, on a complètement chopé le truc, là. Là, c'est un succès éclatant. Bon, c'est une salle de loot, hein. Petite salle de loot. Alors qu'est-ce qu'on a là, madame? On a de la ferraille. À 1000. C'est pas mal. C'est pas mal. Hors ligne, je vous ai fait grâce. Je suis retourné dans le miroir pour m'upgrader un petit peu, mais bon, finalement, j'ai rien fait parce qu'il me manquait plein de choses. Il ne s'est rien passé. Vous avez rien loupé. M'envoyez pas, comme la dernière fois, encore plein de messages. En me disant, oh là là, oh là là, on loupe des choses, même ça nous intéresse. Même quand tu te laves les dents, est-ce que tu peux faire une vidéo et la partager? Bon, il y a des choses, je vous le cache pas, toujours que je fais des fois un petit peu hors ligne, mais c'est pas des choses essentielles. Hein, faut pas. Bon, bah lui, il va nous. Peut-être une amélioration au niveau de la sacoche? C'est ça, pochette améliorée. On passe de 32 à 38 balles pour le pistolet. Avec toujours cette matière que j'affectionne, hein, je vais vous le redire, en nylon. C'est un textile très 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 soyeux, très agréable. Et là, on a trouvé un petit peu de cocaïne, 10 grammes. Bon. Ah. Oula, 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 oula. Merde, 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 mais oh! C'était une très très mauvaise idée. Je sais pas qui vous a éduqué, monsieur, mais c'était une très très mauvaise idée. Vous êtes tombé sur le mauvais cheval, comme on dit. Alors là, mon gars, je l'avais pas vu. Tiens, il était dans le coin de la pièce. J'ai toujours ma hache. Ouais, j'ai trouvé une hache. Ça, c'est bien pratique. Bon, on continue notre petit périple. On va remettre la carte à jour.
On doit aller par là. Donc on va tourner là, à gauche. Et j'ai envie d'aller au fond, hein, évidemment. On commence à connaître. Des petites astuces. Bon, un petit peu de ferrage. Ça fait toujours 15 de plus. Toujours plaisir. Toujours zizir. J'aime pas cette blague. Mais bon, je suis corpo. Avec mes collègues de stream, de Twitch, bon, je la fais, quoi. Même si je l'aime pas trop, je me sens un petit peu obligé de la faire. J'ai l'impression que... Voilà, il m'a pas... Et voilà, ça, c'était bien joué. Non, et là, il y a un problème. Je veux un carreau électrique. Ah, j'en ai pas. Ah, c'est pour ça qu'il y a... J'ai bien envie d'essayer ça, là. Voilà. Je voulais essayer, hein. Je voulais voir comment ça fonctionne. Bon, c'est très, 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 très efficace. Lui, on peut peut-être se le faire à la dégueu. Bon, en même temps, j'ai pas plein de balles de flingue. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il décide? Au casque, hein, je vous avoue que quand il gueule, bon, ça fait son petit effet. Ah, il m'a perdu. Voilà. Bon, c'était pas... J'ai quand même perdu une grosse mine explosive. Mais bon, je voulais tenter, quoi. Donc là, c'est le carreau normal. Non, non, en fait, il faut que je regarde en haut à gauche. Rouge. C'est l'explosive. Là. Ah non, là j'ai rechargé. Voilà. Là j'ai l'arbalète normale, quoi. Le harpon, quoi, on va dire. Là j'ai le gaz. Mais alors le gaz, peut-être que ça va me servir vraiment si je suis dans la merde. Mais j'aime pas du tout. Je vais garder ça, hein, c'est pas mal. C'est vrai que j'ai tendance à pas trop regarder. Et là il y avait un truc explosif. Ouais, voilà. Bon, j'ai pas très très bien joué. Et lui, évidemment, il fait un petit break. Qui n'aurait pas envie de faire un petit break? Hein, on a tous besoin d'un petit break de temps en temps. Surtout quand on saigne de la tête. Moi, un jour, je m'étais cogné, j'avais perdu beaucoup de sang. Je m'étais cogné dans un... Enfin, je m'étais cogné. J'avais fait un petit break. Un petit break. Ok. Bon, on est un petit peu moins loin. Qu'est-ce qu'il y a en bas là? C'est con qu'on ait pas pu péter la vitre. Bordel. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ouais, c'est... De la mousse à raser. Bon, on a trouvé un petit peu de cocaïne. Ah, ça nous empêche de... Ok, donc ça, c'est un nouvel élément du gameplay. Quand on marche dans la mélasse. On dirait de la crème à raser, hein. Je vous le dis comme je vous le dis comme les informations me viennent. Comme le sentiment que j'ai, hein. Dès que ça m'arrive, je vous le repartage. Pour moi, ça ressemble à la mousse à raser. Ouvrir la porte plus gentiment là. Et puis on va faire un petit coup de check sur la map. Ok. Bon, je le sens pas là. Je sais pas pourquoi. C'est trop calme. La télé va s'allumer, voilà. C'était certain. Il va y avoir des images, non? Un mec qui va nous stunter, pardon. Genre, ah, tu me trouveras jamais. Armelie, écoute-toi un peu, Mira. Une société secrète qui enlève Lily et met en scène sa mort. Tu réalises à quel point c'est dingue. Mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ça? Mira, je sais que c'est difficile à accepter, mais... Elle est partie.
Notre petite fille est partie. Mais j'ai des preuves. Regarde. Mira, ça t'obsède. Tu as besoin de repos. Une fois que tu seras passé à autre chose, tu apprendras. Non. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Mira, tu avais raison sur toute la ligne. Ah, parce que c'est véritablement ce qui s'est passé avec ma femme. Mais il est complètement idiot, cet homme. Pourquoi il a pas écouté. Je vois ça maintenant. Il n'a pas écouté sa femme. Malgré ce qui s'est passé dans le premier, il n'a pas pris en compte le fait qu'il y avait complot et compagnie. Alors d'accord. Bravo. Bravo Sébastien, hein. T'as pas eu le nez creux là-dessus. Bon, j'ai l'impression qu'on va se battre contre une espèce de slime. Bon, le snipe, on l'a rechargé, ouais. Qu'on fasse pas l'erreur de se healer. Non, c'est bon, on peut pas faire l'erreur de toute façon, parce qu'il n'y a pas de heal dans, dans mes raccourcis, parce que ça, c'est très énervant. Le système de raccourcis est pas terrible. Alors, je crois qu'ici... Salut, mec. C'était donc toi qui a tout salopé. Bordel de merde, la taille de ce truc. Je peux peut-être me faufiler derrière. Comment il réagit? Bon, vraisemblablement, on peut pas passer par là. Il va me voir, là. On va courir. Hé, ta mère. Bon, j'ai peut-être un petit peu merdé, mais bon, pas trop. Faut que je me tire d'ici, putain. À mon avis, c'était pas comme ça que les développeurs voulaient qu'on fasse la chose, hein. Mais bon, on a fait au plus efficace. On a René. À mon avis, il fallait se cacher, peut-être envoyer des petites boutrolles. Pardon, hein, à chaque fois j'oublie de mettre la torchlight. J'ai l'impression qu'on peut monter là, mais bon, ça sert à rien. Ok, on continue notre périple. On doit plus être très loin là, on a 46 mètres, oui. Ah. Oh merde. Bon. Le snipe. Merde. Très bien. Allez, on court. Oh, ça faisait très Dead Space 2. Sauf que Dead Space 2, c'était très très bien fait. Cet endroit était pas censé être stable, bordel. Ok, donc on doit aller par là. Bon, je check vite fait là. Parce que ça m'intéresse toujours de regarder. Bah tiens, on peut examiner. La destruction s'est aussi répandue jusqu'ici. Je ne sais pas si cet endroit va tenir encore longtemps. Oui, c'est ça. On est confronté quand même à Union. Cette ville, créée de toutes pièces. Hein. Enfin, on est relié hein, par des caissons qui est en train de tomber en lambeaux. Elle s'effondre. On sait toujours pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est dû... Quoi, qu'est-ce qu'il y a eu ? Allez, c'est fermé. Est-ce que c'est dû à cette espèce de serial killer ? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un prétexte pour avoir un boss en plus. Je suis pas convaincu. Hein, Non, pardon. Voilà. Là, je l'ai bien. Là, je l'ai bien en main. Là, le truc de la fréquence. Hein. Je vous invite à aller voir
Attends, ça, je vais le lire après. Je vous invite à aller voir les premières parties de mes lives. J'avais passé un temps fou à comprendre. Je pensais qu'il fallait qu'on pouvait avoir une influence sur la ligne rouge en même temps. Et je dis bien en même temps que la ligne verte. Alors qu'en fait, on ne pouvait s'occuper que de la ligne verte. Oh là là, encore un truc à lire. Le problème, c'est que moi, je suis pas contre les trucs à lire. Hein, dans Resident Evil, il y en a beaucoup, c'est toujours intéressant. Sauf que là, ça ne l'est absolument pas. Hein. Bon, ben, vous allez voir par vous-même. Hein. Rapport 532, protocole de déplacement. Protocole d'urgence en cas de déplacement du noyau. Il est impératif qu'un noyau manquant soit remplacé aussi vite que possible. L'absence d'un noyau, même sur quelques heures, peut affecter la programmation du STEM. En fait, c'est Lily, ça. Hein. Elle est plus là, quoi. C'est ce que je comprends, hein, parce que c'est elle, le noyau. C'est ma fille. Si le noyau est absent plus de 36 heures, un protocole d'urgence doit être mis en place pour empêcher sa disparition. Ok? Le protocole d'urgence n'est accessible qu'aux opérateurs de Mobus dotés d'un pass de sécurité Alpha et ne peut être consulté que sur les serveurs dans la moelle. Bon, j'ai été un petit peu de mauvaise foi. Pour la première fois, c'était quand même quelque chose de. Bon, bah, qui nous. Oui, c'était pas si inintéressant, voilà. C'est ça que je voulais dire. Faut que j'arrête un peu d'être négatif. Fou ça, hein, d'être négatif comme ça alors qu'on vit une époque formidable, tout se passe bien. Je sais pas d'où ça sort, hein. Enfin, je sais pas à quoi c'est dû, cette négativité là, actuelle. Alors qu'on vit une époque formidable. Bon. Cam 1, cam 2, ok. Quelqu'un m'observait. Bah pas forcément. Lily. C'est Lily qui t'observait? La personne qui était là amassait des informations à son sujet. Attention derrière toi, Sébastien. Vous êtes de Mobius, non? Fermez-la. Pas un mot. C'est l'Asiate. C'est la Vous psychologue. N'êtes pas l'un des nôtres. Non, je ne le suis pas. Kidman m'envoie. Écoutez, je suis là pour aider, d'accord? Je m'appelle Sébastien Castellanos. Vous mentez! Sébastien Castellanos est mort! Quoi? Mais non! Qui vous a dit ça? Allez, tournez-vous. Doucement. Oui, ça doit être l'assiette. Elle en a tout l'air, elle a le morphotype. Kaufman. Comment vous connaissez mon nom? Je vous l'ai dit, j'ai été envoyé ici pour trouver ma fille Lily. Le noyau. Je vous dis la vérité. Je sais. Vraiment? Pas de micro-expression ni de déflexion. Pas de mise en valeur verbale. J'en ai assez vu pour savoir que vous dites la vérité. Ouais. La psychologue de l'équipe. Je dois utiliser les outils à ma disposition pour survivre. Une petite pause. Kaufman, prénom israélien sur une nana qui est de morphotype asiatique, j'en ai rarement vu. Hein. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. J'ai rarement vu, même à Paris, une psy qui s'appelle Kaufman et qui est asiatique. Bon, je sais pas où ce qu'ils ont voulu essayer de nous dire là. Le combat n'est pas mon point fort. Ça n'a pas l'air d'être le point fort de grand monde par ici. Désolé de vous avoir menacé. Ils envoient des personnes extérieures à présent. Ça signifie que ça s'arrange pas. Vous avez trouvé d'autres membres de l'équipe? Oui, mais seul O'Neill était encore en vie. Liam est vivant? Bon. Il a fait des progrès sur la stabilisation? Le gros émetteur est réactivé, mais cet endroit continue de tomber en ruine. Et je pense que c'est à cause de ce psychopathe qui a kidnappé Lily. Il erre librement dans Union, manipulant l'environnement à son gré. Ça signifie que ma théorie était correcte.
À laquelle ? C'est bien plus qu'une déconnexion du noyau. En tant que docteur, je n'utilise pas le terme de psychopathe à la légère. Mais ici, c'est approprié. Seul un cas clinique de psychopathie peut affecter le stem de cette manière. Une personnalité de type psychopathe utilisant Lily pour amplifier ses pouvoirs. La situation ne pourrait pas être pire. Vous êtes psy. Vous devez avoir une idée de la façon de le battre. Les psychopathes sont antisociaux. Ils manquent d'empathie et montrent des tendances sadiques. Mais leur principal point commun est leur égocentrisme pathologique. Ils ne s'intéressent pas aux autres, seulement à eux-mêmes. Vous savez si quelque chose semble important à ses yeux ? Ouais. Ils pensent être une sorte d'artiste. Ils passent son temps à parler de ça. Alors, la meilleure façon de l'attaquer réside dans son art. Détruire quelque chose auquel il tient pourrait lui faire perdre pied. Je garderai ça en tête. Mais il faut d'abord que je l'atteigne. Il s'est planqué dans le théâtre. Bien. La sortie des cinq, alors. Elle est juste là, dans la pièce à côté. Synchronisons nos communicateurs pour pouvoir rester en contact. Oui, on reste en contact. Je vais prendre mes dossiers pour voir si je peux dénicher plus d'informations sur la situation. J'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Dans tous les cas, il va certainement être difficile à battre. Prenez tout ce dont vous pourriez avoir besoin ici. Oui, on reste en contact. Je vais vous donner mon adresse Minitel. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui demander ? Lily pense que je suis mort ? Des psychopathes ? Plus que ça ? Vous avez dit que vous pensiez qu'il y avait plus que ça. J'ai étudié de près l'incident à Beacon, afin d'éviter d'autres désastres de ce genre. Dans ce cas-là, la personne en question était le noyau. Mais malgré ça, l'environnement était resté relativement intact. Ici, quelque chose semble vraiment cloché. Que voulez-vous dire ? Les créatures. La destruction d'Union. La panne totale des communications avec Mobius. Ça me semble beaucoup pour une seule personne. Même avec la puissance du noyau. Il a parlé de quelqu'un. Quelqu'un qui voulait la puissance du noyau, lui aussi. Ça pourrait être... Non. C'est trop horrible, rien que d'y penser. Quoi ? Il y a une seule chose qui pourrait être plus puissante qu'un psychopathe ici. Mais je dois mener quelques recherches avant de vous soumettre ma théorie. Eh oh, on est tous en train de mourir. Est-ce que c'est bien le moment de faire des petits secrets ? Si ce n'est pas ça, ça pourrait être... Oh, non, je ne préfère rien dire. Ça serait terrible. Oui, bon, bah, c'est maintenant ou jamais, hein, ma grande. Lily me croit vraiment mort. Ou est-ce que c'était simplement pour voir si je mentais ? Désolé, mais oui, elle croit que vous êtes mort. Et moi aussi, je le pensais. Et pourquoi ? Jusqu'à maintenant. Mais avec le temps, j'ai appris à mettre en doute les informations relayées par Mobius. C'était pas difficile de voir que vous disiez la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pour quel genre de monstre travaillez-vous ? Je sais que c'est pas juste. Mais pensez à ça. Lily est sûrement moins traumatisée de vous croire mort que de vous savoir vivant mais loin d'elle. Ouais, peut-être. Mais que se passera-t-il quand je la retrouverai ? Vous inquiétez pas. Elle croira ce que lui montrent ses yeux quand elle vous verra. La psychologie à deux balles. Je pense que c'est mieux pour votre petite fille de savoir que vous êtes mort que de savoir que vous êtes vivant mais loin d'elle. Non mais n'importe quoi, quoi. C'est un psychologue à deux balles, ça. C'est quoi, c'est du freudisme niveau zéro. Si Mobius sait comment garder les psychopathes en dehors du stem, comment l'un d'eux a pu finir ici ? J'en sais rien. Chaque individu placé dans le stem a été soumis au préalable à toute une série d'examens psychologiques. Et nous les avons tous observés d'ici, en secret, pour surveiller les comportements instables. Ouais, et ben ça n'a pas l'air d'avoir marché. Malheureusement, la psychopathie et la sociopathie sont très difficiles à diagnostiquer. Les psychopathes sont souvent très intelligents et rusés. Conscients de leurs conditions, ils sont capables de se fondre parmi nous. Le fait que celui-ci ait pu se jouer de nous, il est habile et lucide. C'est très troublant. Super. Donc les examens n'ont fait que filtrer les psychopathes les moins dangereux. Je me sens affreusement responsable de tout ça. Ah bah tu peux. J'ai aidé à mettre en place ces tests. Ah bah d'accord, c'est... Bravo ! Ah bah bravo, Kaufman. Je te parle plus. Bon, on a quand même 4 gels rouges. Ah, je suis plein, là. Bon, on le prendra plus tard, là. Bravo, Kaufman. Alors, vraiment, c'est ni fait ni à faire. Donc elle nous a dit qu'on pouvait téléporter tout de suite. Je regarde ça. On peut zoomer, oui voilà, on doit aller là. Ok, qu'est-ce que je fais? Je fais une petite sauvegarde. Là, l'ordi nous dit quoi? Ah, on a oublié quelques... On a 135, hein, on pourrait... Et là, qu'est-ce qu'il y a? Examiner. Un email, candidat pour le noyau.
toute personne concernée. Ça vient de l'opérateur Grisham. L'objet, c'est Lily Cassenos, premier résultat. Le candidat idéal pour le noyau doit posséder un ego fort et sans entrave afin de conserver sa personnalité tout en supportant les esprits interconnectés d'autres personnes. Étant donné ces paramètres, il n'existe que deux types de candidats. Les égotistes, aux tendances psychopathes, et les enfants. Nous savons ce qu'il s'est passé la dernière fois qu'un égotiste psychopathe s'est retrouvé dans un Lostem. Un enfant est donc notre meilleure chance. Ah oui, rien ne les arrête. Hein. Puisque nous avons accès aux résultats scolaires de divers établissements. Vu qu'on connaît une maîtresse et qu'elle nous donne les carnets de notes, nous avons pu réduire nos options potentielles. Nous pensons avoir trouvé le candidat idéal pour le noyau en la personne de Lily Castellanos. J'ai vraiment pas le pot, hein. Déjà dans le premier, puis là dans le deuxième, ils prennent ma fille. J'ai pas le pot. Ses examens montrent qu'elle est non seulement candide, mais qu'elle fait surtout preuve d'une empathie surprenante pour son âge. Hier, on l'a vu, elle a caressé une fourmi. Nous allons l'envoyer au docteur Hoffman pour d'autres tests. Alors, toutes mes confuses, son nom n'était pas Kaufman, mais Hoffman. C'est pas très grave, mais bon. Les gens ont un nom, il faut savoir se montrer respectueux. Une petite save. Ça rassure toujours. Et ça met toujours en entrain. Voilà. Comme ça, si on meurt, même s'il va y avoir un checkpoint juste là, je check un dernier coup cette petite salle. Peut-être que je vais prendre un petit café, j'ai été touché. Hein. Ah ouais, il me manque un dixième. Il me manque un millième de ma vie. Vite un café. Bien. Petit kawa. Sans sucre. Petit kawa sans sucre. Ah bah c'est lui qui l'a fait tout seul. Alors peut-être parce que je courais. Allez hop. Oh bah là carrément un sac de cocaïne. Ok, on va se téléporter derrière le rideau. Il y a forcément quelque chose. Non. Allez, on y va. On va aller au poste plus. Je remets un petit coup la map pour bien me rendre compte du périple accompli. Ok, voilà. Bon, on y va. Hein. Bon. Toujours cette histoire d'immersion. À tes souhaits. C'est ma femme. Elle a fait semblant de pas m'entendre, mais moi je suis poli. Elle éternue, je dis. Enfin bon. C'est ma vie privée là, s'il vous plaît. Hein. On va pas être copains hein, si vous commencez à. Je suis là pour streamer moi, hein. Je suis pas là pour autre chose. Hein. Je vous regarde pas. Ok. Bon bah là. On doit jouer très bien parce qu'on est full partout, on peut rien prendre. Oh, ils nous mettent des cafetières partout, hein. Ok, on peut à nouveau sauvegarder là. Là, la porte. Non. Je veux pas tout de suite aller. Je veux pas tout de suite faire tout ça. Attendez, on revient. Ok. Ah, mais il ferme ça là, comme s'il était poursuivi par je ne sais qui. Non, d'abord, on va aller voir là, quoi. Il y a un miroir. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Combien on a j'arrive jamais à... J'ai 7300, c'est pas mal. Oui, on va aller vite fait. En plus, c'est rapide. On va aller vite fait sur la chaise. Ouais, on a 7000. On dirait que vous avez besoin d'un coup de main, inspecteur. Non, ça va. Puis arrêtez avec vos allusions, là. Ah, je suis pas dupe.
On va se mettre un petit peu de... Au niveau furtivité, on a que deux. Utilisez automatiquement les bouteilles de votre inventaire pour vous libérer de l'emprise de certains ennemis. Ne fonctionne pas pour toutes les attaques. Détail de l'aptitude. Les bouteilles permettent de se libérer de l'étreinte de certains ennemis. Elles sont utilisées automatiquement depuis votre inventaire. Vous n'avez pas besoin de les équiper. Oui ? Oui, oui, c'est bien. Allez. Prends ça. Bon, après, tout est hors de prix, après, hein, évidemment. À moins dans un truc où je suis pas allé, voilà. Ouais, non, mais même là, c'est du 8000. Donc, allez, hop, on se casse. Je crois qu'on pourrait peut-être reprendre... Je suis pas au courant, mais... Voilà. On peut reprendre une balle. Non, là, on est full. Ok, on se casse. Ça, c'est une bonne chose, hein, que les coffres ne... Ah, y a le chat qui miaule. Mais pourtant, on n'a pas de diapo, on n'a rien. Bon, nous emmerde pas, s'il te plaît. Hein, le greffier, là. Ok, bon, c'est rapide, c'est ça qui est bien. Ah, par contre, on n'a rien upgradé ni rien. J'étais un peu couillon, là. Allez, excusez-moi. En plus, si vous le regardez en VOD, vous faites une toute petite avance rapide, là. Vous cliquez trois fois sur le côté droit, vous savez comment ça fonctionne. Ça avance de 10 secondes, allez. Allez, on a combien? On a 175. C'est la capacité de munitions qui nous intéresse. Hein. Bon, pas pour celui-ci, mais pour le fusil à pompe. Oui, voilà. Oui. Voilà, je veux plus de... J'en veux 5. Voilà, et après on passe à 140. Là, ce qui est forcément nous emmerde. Temps de chargement, c'est pas mal. Cadence de tir, j'ai 95 et ça coûte 40. Bon, bah là, comme ça, direct, il me reste plus qu'un, c'est bon. On regrette rien. Fusil à pompe, c'est la vie. Hein. On a besoin que d'avoir un bon DPS et une bonne puissance. Et puis le rechargement aussi, donc c'est bien. Moi, je base quand même cette run sur. Allez, on y va. Cette fois. Bon. Vraisemblablement, on peut capter quelque chose. Entrez dans la réserve à côté de la planque. Merde, c'est Stevens qui a la clé. J'en peux plus. Merde, je sens plus maintenant. Ce truc m'a pratiquement arraché le bras. J'arriverai pas à le buter avec ce pit de la vie. Il me faut du lourd. Il faut juste que j'arrive à rentrer dans la réserve à côté de la planque. Merde, c'est Stevens qui a la clé. Elle va revenir avec la clé et le blindé. Je dois juste tenir jusque-là. J'en peux plus. Je vais juste me reposer 2 secondes. Et attendre Stevens. Ouais, bah Stevens, à mon avis, elle est pas venue. Hein. Là, on a gagné encore un petit peu de gerbe d'air, gerbe d'or. De gerbe vert, pardon. Bon, là, il n'y a rien dans le tiroir. Il a eu des soucis, cet homme. Vraisemblablement, il y a quelques soucis. Allez hop. Bon, le théâtre. Alors. J'arrive. Ok, à mon avis, c'est par là. Hein. Peut-être bêtise, mais. Donc là, on est bien. Hein. Au niveau de pompe, au niveau flingue, on est bien. Je vois que le jeu me propose régulièrement de prendre des munitions que je ne peux pas prendre. Ça veut dire que. Voilà. C'est... Ah bah alors tiens lui, on va se le faire. Voilà madame, ah, bonjour madame, au revoir madame. Non parce qu'ils donnent énormément de... Bon déjà ils sont dangereux. Et puis bon, faut bien avouer qu'ils nous donnent quand même combien? Ouais bon, 1500 hein, c'est toujours ça de prix. Hein. Alors on se retrouve ici. Là c'est quoi? Oui, on doit aller au théâtre. Là, il y a une planque. Bon, on va se diriger là où on doit se diriger. Hein. On va pas faire les malins. Même si c'est tentant d'aller voir là. Mais bon,
Je fais confiance au scénario pour nous balader de zone en zone. Et nous dire qu'il faut une clé, qu'il faut ça, faut ci. Je fais confiance aux développeurs hein, pour nous balader. Pour nous dire que c'est fermé. Bon, il y a lui là déjà. Normalement, si je fais pas trop le kéké. Il m'a déjà vu. Merde. Un peu con, j'aurais pu le tuer avec la hache et puis après il m'en refilait une quoi. Mais bon. Qu'est-ce qu'on entend là? Ah oui. Bah oui, on t'a vu hein. Veritas quoi, as modus, ouais, un petit peu de latin pour faire genre. Alors je crois que ça on peut gagner un petit coup de botte là-dedans, on donne un petit peu de, ouais, 300 c'est pas trop mal. Ok. Allez, on y va. Je préfère avoir le pompe. Je regarde un petit peu autour. Bon, bah oui, t'as du talent, mais bon. Grand théâtre. Mais c'est quoi son délire à lui? Bon sang, Lily est à l'intérieur. Mais vous ne méritez pas encore d'en être le témoin. Pas avant d'avoir appris à respecter mon art. Écoutez. Écoutez leurs cris. Les échos de mon travail. Respecter son art, hein? C'est le moment d'essayer la théorie d'Hoffman. On dirait la musique de la Riser. On arrive au chapitre 7, désir d'art, ok. Donc là, c'est une œuvre de Stefano. Voilà. Servez-vous du communicateur pour détruire les œuvres. Il y en a une à 173 mètres et l'autre à la 138. Oui, on. Oh. Eh. On a compris que vous étiez pressé que j'arrive, mais. Alors, sur la carte. Je vous l'avais pas dit que le jeu allait nous balader. Bon, on va commencer par celle-ci. Bon, déjà, on va aller à la cache. C'est à côté. Ok. On vient de par là. Hein. Une petite plante. Bon, eux, je leur fais. Bon, ça a l'air d'être des humains, donc ça va. Quoi? Ah, ok. Oh. J'ai pas fait. Oula. D'accord. Ok, donc là c'est plutôt. Ça va être tendu. Ah. Arrive. On va aller voir ce que c'est. Résonance inconnue. On va déjà aller là. Et j'ai l'impression qu'il y en a encore une autre. J'en peux plus. Et là. Je dois les détruire avant qu'ils ne se transforment. Ouais, c'est ça. J'en peux plus. Ok, il y en a qui est 80 mètres. Ah, lui il a 39. On va privilégier celui-ci. Hein. Celui qui a 39. Il est juste là. Allez hop. Pardon. Voilà. Bah parce qu'il est moins loin, ma petite dame.
Là, je suis en train de lire un commentaire. Spleen. On va essayer de faire dans l'ordre. Ok. Bon, il va falloir traverser ce champ de... Bon, j'ai vu qu'il y avait de la... Il y a de l'essence par terre. Je regarde un petit peu autour de moi. Il y a le bus là, on n'est pas monté dedans. Et il y a de... Ah, il y a de la caisse là aussi. Oh, c'est un jeu de loot. Hein. Ok. Alors, ils auraient pu quand même modéliser un tout petit peu mieux le bus, quoi. Franchement, c'est vraiment générique. Hein. C'est ça que je reproche. C'est qu'ils ont eu une ambition d'open world, mais bon, c'est pas le tout d'avoir une ambition d'open world. Hein. C'est pas dangereux là d'aller casser les caisses alors qu'ils sont juste à côté. C'est qu'après, faut avoir un scénar solide, faut avoir envie, quoi. Faut que ça donne envie, bon, y a rien du tout. Allez, hop. On s'en occupera d'eux plus tard. Allez hop, on va au point de résonance. Ah, mais il est juste là en fait. Il est mort dans le charnier là. Percer le mystère de savoir pourquoi les gens les entassaient et les brûlaient. Parce qu'ils se transforment. Merde. Allez, viens là. On a l'habitude de ta gueule. Bon, joli. La petite... Mais oh, on avait dit pas ça. Eh oh! Putain, mais je vais pas crever ici quand même! Putain! L'autre, j'ai l'impression qu'on l'a tué en quelques coups. Il y a du feu. Il y avait une flaque. Faut qu'on utilise les autres armes. Faut qu'on soit plus malin. Putain, le temps de chargement, là. C'est curieux, hein. La police est... Ah, bah lui, il continue de bouger. Tiens, on a vu que t'étais pas mort. Bon, il va pas me faire le coup du point de résonance à nouveau, quand même. Ok, donc on se prépare. Attends, comment ça se trame? Là, il y a de l'essence. Bon, Il brûle les corps. Pourquoi? Oui, bah on va avoir la réponse dans 2 secondes. Ouais. J'en peux plus. Je suis le seul à l'avoir. Cette chose avec moi. Bah c'est bon, on a tout. Pourquoi elle réapparaît pas? C'est si random? Ah bah non, en fait maintenant elle se balade. Ok, elle nous a tués mais elle est là. Ok. J'ai compris. Bon, l'idée... Quoi, c'est un autre bus? C'est exactement le même. Voilà, c'est ce que je reproche. C'est que oui, ils ont une ambition d'open world. Mais bon, pour faire ça, n'est pas GTA qui veut, quoi. Oh putain, on se casse.
parce que c'est... On peut ouvrir ça. Normalement... Et là derrière moi c'est bon. Attends, je regarde la carte. On est là. Non, il faut que je revienne sur mes pas. Voilà. Ça peut être tout notre chemin. Oui, oui, je sais que je fais du bruit. Merde! Quoi, merde? Pour l'instant, on va l'ignorer gentiment. On va se diriger vers cette petite résonance. Au jukebox. Allez. Hop, on va prendre l'escalier. Oui, je commande tout ce que je fais. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Hein. Ok. À mon avis, c'est là-dedans, évidemment. On va garder le shotgun. Voilà, c'est ici. C'est pas très intéressant, puisqu'il leur arrive. Hein. C'est très mal doublé. Je suis seul à la voir. Cette chose avec moi, c'est dur. On dirait un souvenir d'enfance. Elle joue avec mon esprit. Si je dois mourir, je préfère choisir la manière d'en finir. Ok, il s'est suicidé. C'était la meilleure chose à faire. On va prendre tes petites balles. À quoi tu ressemblais, mon petit gars, hein, parce que je suis la dernière personne à t'avoir vu. Ok, bah tu commençais quand même déjà à te transformer sévère. J'espère que tu vas pas venir nous emmerder. Bon, là, il y a du matos. On va faire le tour, gentiment. On va prendre le flingue. Aucune confiance dans ce jeu. Il ouvre le stuff, là. Peu de ferraille. On va faire le grand tour. Hein. Pour être certain de rien oublier. J'avais absolument envie d'utiliser le verbomètre. Et puis, bon, bah, j'ai pas pu. Quoi? Ah non, c'est juste le truc qui s'est mis en marche, le jukebox. Oh là. Évidemment, je devrais mettre le son un peu plus fort pour essayer d'avoir peur. Ça marchait l'autre fois. Merde. Cache là. Qu'est-ce qu'il veut faire cette fois? Passe à travers les murs. Vraisemblablement. Qu'est-ce qu'il me veut? Ah, on peut. Allez, on se casse, hein. Oui, je suis pas fan à 100% de ces chaînes d'échappatoire. Ok, attends, il n'y a pas de carte, hein, j'imagine. Ouais, voilà. Alors ça, c'est une petite salle. On va les faire dans l'ordre. Voilà, on va passer par là, on va voir ce que ça donne. Ah oui, d'accord, oui. Classique. On est re-téléporté au même endroit. Il y a un truc qui cloche dans cette pièce. Ok, donc c'est pas la porte de gauche. Je dois louper quelque chose. C'est pas la porte de gauche. On va peut-être nous faire le même coup avec la porte de... Enfin, c'est pas la porte de droite. Voilà, on fait le même coup avec la porte de gauche. Ok. Ok. C'est moi.
à l'époque. Ah. Évidemment. Bon, ça va être celle-ci. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui fonctionne pas, quoi. Je sais pas, je saurais pas dire. J'ai pas envie de me répéter, hein. Pour ceux qui me suivent depuis le début. J'ai pas envie de me répéter, mais... Beaucoup moins... Oh, merde. Beaucoup moins inspiré, celui-ci, quoi. C'était la bonne sortie. Bah, j'ai du bol. Hop, il y a un truc qui cloche. Pourquoi cette chose en a après moi? Alors, qu'est-ce qu'il a dans la main, du coup? Allez, on a une nouvelle diapo. Relique d'une époque. Oui, bon, bah, ça, on sait ce que c'est une diapositive. J'ai ma manette qui vibre. Pourquoi? Comme un battement de cœur. Il y a un opérateur de Mobius décédé là, juste ici. Attendez, on a, je regarde bien. On avait tout fait là, c'est une pièce. Oui, on a fait le tour quoi, ok. On peut passer par là, je pense, voilà. Oui, parfois il y a une petite séquence d'escape là, bon, je trouve pas ça réussi. Puis elle nous fait pas peur. Dans le 1, là, quand elle était à quatre pattes et qu'il fallait la brûler et tout, il y avait un stress, enfin... Bon. Faut que j'arrête, hein. Je répète les mêmes choses. Hein. Bon, ça c'est bien, pochette améliorée. On peut porter maintenant 11 balles de sniper. Et toujours dans cette matière nylon. Peut-être un détail pour vous, mais... Hein? Vous avez compris? Quoi? Oh bah qui m'a vu? Moi je suis intéressé par la clé. Hein. En prio. Déjà je sais pas d'où. De caisse, de quoi? Je sais pas. Puis déjà, on va regarder la carte pour savoir où se rendre. L'idée, c'est d'aller là. On va essayer, hein. À 96 mètres. Il faut que je fasse plus attention. Ouais. Ça, c'est... oui. Bon, il y a personne, là. J'aurais bien envie de me la fighter, quand même. Hein. Elle me gonfle. Notamment avec du snipe. Tant qu'elle arrive et puis qu'après de se la faire avec des... Parce qu'elle elle est relativement chiante. Hein. J'ai pas besoin de torchlight. Petit camion. Je crois qu'il y a une herbe là-bas. Voilà, toujours à m'observer. Bon. Niveau soins, on sera bien. On peut pas passer par là. Ok. On continue le périple. Bah, je longe un peu les murs. Oula. Je suis pas obligé de me les faire en plus. Hein, y a aucune raison que je me les fasse.
veut pas me voir. Ta mère. On va se le faire au flingue. Allez, viens là. Viens là, petit bâti. Eh oh, putain. Là maintenant je sais qu'ils peuvent. Eh, ah merde, il y a le. Voilà. Voilà. J'ai pris un petit peu mon temps pour bien viser. Peut-être pas cette chance la prochaine fois. Mais le souffle de son explosion. Il doit y avoir quelque chose parce que pourquoi ils sont là les quatre. À tourner comme des cons. Il y a un truc essentiel ici. Il paraît curieux qu'il soit là à tourner. Ah oui, il y a quelque chose. C'est un peu ridicule hein, quand même. Je serais bien tenté. Merde. Allez, on s'est fait baiser. Putain, mais ça c'est coquin. Voilà, ça c'est pas mal. C'est fait avoir par son propre truc. On va les ramasser, on va looter. Il est où? J'en ai peur alors qu'ils sont pas. Ouais, il y avait 4 clous quoi. Et un petit peu de. Ah, il y a même rien dans les caisses. C'est quoi? C'était un attrape-nigo? Ouais, un peu de la poudre à fumer. Bon. Je sais pas où il est, hein. Je l'entends se plaindre. Ouais, bon, on file quand même 300. Ce qui est pas mal. Il est où? J'aimerais bien le tuer. Bah, franchement, je l'entends. Bon, on te laisse faire ta vie, Coco. On reviendra peut-être s'occuper de toi. Bon, c'est bien, il y a un checkpoint. Bon, là, on sait ce que c'est. Quoi? Ah merde. Ça n'a pas fonctionné. Allez. Mais putain, pourquoi il se barre pas? Parce que j'ai plus d'endurance. Ah mais parce que c'est juste l'arbalète. Putain, bon allez, tue-moi. Ça va être plus simple. C'est ma faute hein. Toutes mes confuses. Là, ça, c'est ma faute. J'ai cru avoir l'explosif. Puis en fait, c'était les harpons, tout simplement. Petit à petit, parce que quand le jeu est sorti, je me répète, quand le jeu est sorti en 2017, j'avais arrêté au chapitre 11. Petit à petit, j'arrive à comprendre pourquoi j'ai arrêté au chapitre 7. J'ai arrêté au chapitre 11. Là, on est au chapitre. Là, on est au chapitre 7. Déjà ça et c'est pris, ça c'est déjà ça de pris. Ah
Ah putain, mais on voit pas là. Cette caméra de merde. Ah, ok. Saurais m'en souvenir. Je me saurais souvenir de toi. Non, on va la buter, elle va me faire chier. Puis même, elle va nous donner énormément de gerbes d'or. Donc, on va se la faire. Elle me gonfle. Je me souviens quand j'avais commencé à faire le jeu, voilà. Je la fuyais à chaque fois. Mais bon. Mais je crois que je la fuyais parce qu'elle repopait, ou le jeu en repopait une. Bon, elle est où? On dirait qu'il a des ennuis. L'autre, on l'a tué en 2-2. Ils sont de plus en plus puissants. Il n'y a aucune raison qu'ils soient plus puissants. L'autre, on lui a tourné autour. On l'a tué en quoi, 6 coups de fusil à pompe. Et là, d'un coup, il faut je sais pas combien de mines. Et bon, allez, j'insiste pas. On tourne à gauche. On dirait qu'il a des ennuis. Il parle de qui? Merde, il va se faire déborder. Il parle de qui? C'est intéressant, mais il faudrait quand même que... C'est quand même chiant qu'on puisse pas utiliser. Oui, on peut faire comme ça. Bon, très bien, ça me rassure. Hein, parce que c'était quand même très très chiant. Il parle d'un mec et là. Ça encore, c'est une erreur de programmation. Hein, je suis désolé. Il va se faire déborder, mais qui? On voit pas. Bon, maintenant là, j'ai compris qu'ils sont en train de taper sur le camion, donc il devait y avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? On peut tirer là dans le truc pour. Ça n'a même pas mis le truc en feu. Oh là là là. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Merde. Je vais peut-être être prendre une surprise. Ah, c'est le Black. On vient de prêter main forte. Hé! Hey, vous là-bas! Vous devez m'aider! Allez quoi? Je sais que vous pouvez m'entendre. Allez quoi? Bah, j'ai pas dit non. Pas dit non. Bon, s'il venait me. Bon, ça va, ça va être ça. Ah, mais là. Allez, venez là. Voilà, normalement, ça a dû te faire du bien, ça. Allez. Allez, venez là, on va régler ça vite fait. Putain, ils sont quoi, ils sont incroyables, ça. Il est où? Il est mort? Ça, je fais un test, hein. Ah oui, ça fonctionne. Et tout à l'heure, à travers la grille, ça fonctionnait pas. C'est quand même relativement énervant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'il se fasse pas tuer, hein.
quoi cette intelligence artificielle à fond? Ça va, t'entends mieux là de l'oreille gauche? Non, je vais t'arranger la vision. Voilà. Bon, j'espère que ça valait le coup de te sauver le cul, hein. Ah merde, en v'là d'autres. Merde, il y en a d'autres. Bordel, ils arrivent de là-bas. On va prendre le carreau explosif. C'était pas opti, mais c'était pas trop mal. Au moins on a utilisé un peu différentes armes. Ah, il est sauvé les miches. Je pensais pas que quelqu'un viendrait. Vous êtes de l'équipe de sauvetage. Je suis comme ça, moi. Comment avez-vous fini ici? Je cherchais quelque chose. Et plus précisément? Écoutez, c'est dangereux ici. Venez dans ma planque, on parlera là-bas. Assez de vent. Allez. Oui, bah tu permets, je ramasse un petit peu ce que j'ai, mon butin. Tu permets que je ramasse mon butin. Hein, j'ai pas tué tout le monde pour rien non plus. Ok, bon, deux balles à pompe, c'est gentil, hein, parce que franchement, j'aime pas les gâcher. Ouais, en fait, on avait une aire de jeu qui était bien plus vaste, comme d'habitude. Ok, on a un nouvel opérateur Mobus. On va aller voir notre ami. Et donc du coup, c'est quoi la différence? Quand on fait ça, oui, soit ça fait une explosion, soit ça fait un feu, quoi. Bon, moi je suis plutôt adepte du feu. De l'explosion. Bon, t'es là? Oui, c'est ça. Il va encore nous raconter. Allez, des salades. Je peux pas entrer ici. Planque de... Merci encore de m'avoir aidé. Je m'appelle Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos. J'ai entendu parler de vous. Vous avez survécu à Beacon, c'est ça? Comment vous savez ça? Je suis programmeur du STEM, mais j'ai aussi d'autres talents. Du genre piratage de systèmes informatiques. Je sais plein de choses que tout le monde ignore. Et ça, ça vaut pour les membres de mon équipe. Alors vous savez qui est Lily? Ouais. On essaye tous de la trouver. Mais sans succès. C'est pour ça que vous êtes là, pas vrai? Ouais. Mais si vous ne pouvez pas m'aider... Alors on n'a plus rien à se dire. Bonne chance. Toujours aussi sympathique. On pourrait peut-être trouver un terrain d'entente. Je vous écoute. Écoutez, il y a un tas de trucs ici que vous pourriez utiliser. Ça, c'est pour m'avoir sauvé. Si vous voulez entendre ce que j'ai à vous proposer, revenez me voir. Ça, c'est pour vous avoir sauvé, mais quoi? Ça, c'est pour vous avoir sauvé. Qu'est-ce que tu me donnes? Ah, la dernière fois, en revoyant ma VOD, comme c'était en rouge, j'ai cru que je pouvais pas le prendre, mais en fait, on a perdu un truc d'explosif. Ok, on se prend un petit café. Puis ça nous permet de réfléchir un petit peu à tout ça. Ah, puis j'aurais pu en tuer un avec la hache aussi. Faut que j'y pense, hein, la hache. Permet de tuer un ennemi en un coup. Bon, je sais qu'on va avoir une discussion complètement inutile avec lui, donc je prends mon temps avant d'y aller. Ah, on peut ouvrir ça? Ces caisses sont fermées, mais je pourrais en ouvrir une si vous m'aidez. Un petit coquin, toi, non? Allez, dis-moi tout. Très bien, je vous écoute. Comment pourrait-on s'entraider? J'ai besoin que vous redémarriez un serveur à l'intérieur de la moelle. Ça devrait pas vous poser de problème tant que ces choses se tiennent à l'écart. Voilà sa position. Une minute, j'ai pas encore dit que j'acceptais. C'est du backtracking, ça. Qu'est-ce que j'y gagne? Vous me rendez ce service, et je peux ouvrir toutes les cages de matériel pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez?
Si vous redémarrez ce serveur, je pourrais peut-être trouver un autre moyen de quitter Union. Il existe vraiment un moyen de quitter Union ? Je suis pas totalement sûr, mais je vais pas me priver pour essayer. Ils ont perdu le contact avec le STEM. On est livrés à nous-mêmes. Si on trouve pas le noyau, on va tous mourir ici. Sauf si je trouve un moyen de sortir. C'est possible ? Est-ce que vous voulez vraiment que je vous bassine avec du charabia technique ? Non, mais déjà, tu vas retirer cette boucle d'oreille. J'ai juste à l'allumer. Comment se fait-il qu'il soit éteint ? Tout ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allumez ce serveur, je peux essayer. Regardez autour de vous, tout tombe en ruine. Je suis même surpris que quelque chose fonctionne encore. Après, Mobius aurait tout aussi bien pu l'éteindre eux-mêmes. Ils ont mis en place tout un tas de protocoles d'urgence. Vous êtes en train de remettre la grande organisation Mobius en question ? Eh, je veux bien être Troufion, mais dès qu'on me considère comme de la chair à canon, eh ben, c'est là que je commence à repérer la sortie. Vous me suivez ? Ouais, je vois. Alors ? Vous allez m'aider ou pas ? Oh. Le backtracking me fait chier. Évidemment. Et c'est là qu'on doit aller, hein. On est où ? Ah bah on est là, pardon. Oh, oui, ok. Pas tout de suite. On le fera en retour. Allez. Par contre, là, il y en a un qui m'intéresse. Parlez à Sykes. On vient de le faire. Dites-moi. Oui. On vient de le faire. C'est bien que, par contre, dès qu'on parle à un personnage ou qu'on... ça va vite, quoi. On peut vite annuler. Ok, on est full... Ok, on a combien là de gel ? On a 9000. On va aller sauvegarder un petit coup. Et combien on a de pièces détachées ? 235, ouais, on va aller faire ça. Vite fait. En plus, je crois que j'ai récupéré une clé. Amélioration d'armes. Voilà, j'ai 235. Capacité munitions, temps de chargement, cadence de tir, le sniper. Peur, j'ai plus qu'une balle. Cadence de tir, ça c'est intéressant. Hein. Y en a pas un où on peut tirer. Bon, voilà, on va faire ça. On est sur le snipe, puissance de feu. Voilà. Voilà, moi je veux du. Et là, il veut du sang. Il veut, voilà. Déjà là, notre sniper, il est quand même déjà plus efficace. Carreau explosif. 80. Dégâts supérieurs. Allez. Voilà. Et on va s'arrêter là, évidemment, puisqu'on n'a plus rien. Mais voilà, c'est les choses que j'utilise le plus. Hein. Bon, la fabrication. On est full. Moi, je suis tenté de sniper. Hein. J'aime beaucoup. Et les carreaux, ce qui est bien, c'est qu'on a besoin que de tuyaux pour les faire. On va se refaire une trousse médicale. Et puis voilà, on est bien. Le fumigène, je ne m'en sers jamais. Hein. J'ai pas. Peut-être pour distraire les ennemis. Mais bon. Bon, c'est bien. Là, le sniper fait plus de dégâts. Quand on va les shooter les... Ne vous inquiétez pas, inspecteur. Les boss. Ça ne fera pas mal. Ok, je pense qu'on puisse... On peut pas prendre... Voilà, on est plein. Allez, hop, celle-ci. On a gagné 150. On a 185. Ok. Oui. Non ! Je voulais juste regarder... Ah, c'est ma faute, hein. C'est ma faute. Ça, c'est quand on est trop pressé. Quand on est trop pressé. Inspecteur Castellanos, c'est toujours un plaisir de vous voir. Bah, j'étais là il y a 2 secondes. Hein. T'es gentil, Gisèle, mais... J'étais déjà là. Hein. Bon, on a 9000.
L'agilité, je pense que c'est raisonnable d'avoir une récupération augmentée. Et on va garder pour la récupération, la guérison. Bon, on a 8000, on ne peut pas, on ne peut pas. On va refaire un petit coup de stabilité pour le flingue et puis on s'arrête là. Je pense que c'est raisonnable. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça. La stabilité. Quand on vit dans une époque instable, faut tout miser là-dessus. Hein. Avoir les pieds sur terre, vous voyez? C'est primordial. Bon, il a été bien gentil, hein, Sykes, mais sa proposition de backtracking ne m'intéresse absolument pas. En plus, de vous à moi, je l'aime pas trop. Hein, c'est terriblement aléatoire, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais, c'est injuste, mais je sais pas, je l'aime pas trop. Servez-vous de votre communicateur pour trouver et détruire les œuvres d'art de Stefano. Oui, ben on est au courant quand même. C'est juste que on se baladait. On a plus le droit de se balader. Donc je continue et je. Ah, j'aurais bien voulu me le faire, lui. Hein. Bon, allez. Ah, vraisemblablement, il est pas loin. Hein. Ah putain, alors elle, on va même pas essayer de comprendre. Oh putain, je l'ai loupé, j'y crois pas. Voilà, bon voilà, par contre. En général, sans la tête, ça marche beaucoup moins bien. Hein. Ça, c'est. Depuis que le monde est monde, sans la tête, marche moins bien. Putain, mais je suis une buse. Bon, je sais, je gaspille un petit peu le bal de snipe. Mais elles sont chiantes, hein. Et puis bon, faut pas se le cacher, il y a un réel plaisir à utiliser le sniper. Pour ça qu'ils l'ont mis dans le jeu. Ils essayent de refaire sortir toute notre méchanceté, quoi. Donc maintenant on a une pochette améliorée, on peut avoir 10 balles de fusil à pompe. Alors toujours dans ce textile que j'aime beaucoup, le nylon. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Bon, maintenant qu'on a fait ça, faut qu'on aille là, hein. Faut qu'on aille détruire les œuvres de Stefano, hein, ce foufou. Malheureusement, Stefano, tu pars en couille. On va te remettre vite fait dans le droit chemin, tu vas voir, à coup de fusée à pompe. Normalement, ça c'est pareil. Depuis que le monde est monde, le fusée à pompe, c'est très dissuasif. Évidemment, toi, tu peux pas monter ça parce que c'est trop haut, parce qu'il y a 10 cm qui te gênent. Ah, puis c'est vraiment ça en plus, là je peux pas y aller, quoi. Hein, c'était un cul-de-sac, hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc il faut vraiment faire le grand tour. Je suis ravi. Bon, ça tu le montes quand même. Oui. Ok. Ah oui, et là non, évidemment. Alors comment y accéder? Il faut faire le grand. Tiens, on s'est retrouvé là. Comme c'est curieux. Ah, il faut passer par la gauche? J'ai pas souvenance. Bon, on va trouver une petite clé, ça sera toujours très bien pour tout à l'heure. Oui, bon, on doit aller là, oui, bah, attention, avec l'œil qui nous regarde, ça laisse peu de doute. Bon, il y a lui là. Oh, j'ai envie de me faire plaisir là. C'est l'ouverture de la chasse. Ils sont combien aussi? On dit rien qui vaille. On a l'air bien hostile. Vous croyez qu'on peut passer là en courant comme un dératé?
bien envie d'essayer. Ouais, voilà. Ah non, c'est l'entrée qui nous est interdite. Qu'est-ce que je suis couillon. Je suis couillon. En plus, c'est marqué, quoi. Ah putain, je me suis rallongé de... Bah, je suis couillon, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Couillon, couillon, quoi. Limite, on aurait envie, maintenant qu'on est là, de faire la mission de ce pauvre type. Hein, hein, c'est tentant. Hein. Maintenant, on y est. Voilà, on fait la mission de ce pauvre type. Un pauvre type, au final. Bon, allez, on va l'aider. En plus, ça m'a pas l'air très très loin. Allez, on fait sa mission. On se téléporte. Il a bien de la chance d'être tombé sur nous, je trouve. On est bien, hein, on est bien conciliant. Un peu trop même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, je veux l'ordinateur. Je veux pas le miroir. Je veux me téléporter, moi. Je veux aller dans la moelle. C'est comme ça que vous appelez ça, hein. Moi, je veux la moelle. Ah là, ici. Voilà, c'est ça. Voilà, faites votre chargement. Moi, j'avance pour la suspension consentie d'incrédulité. Pour faire croire aux gens que c'est en avançant qu'on va arriver plus vite au truc. Alors qu'en fait, il faut attendre les 100%. C'est un cache-misère, c'est un cache-misère. C'est du download. Excusez-moi de vous vendre la mèche, hein, mais... Donc voilà, on est retourné à l'installation et ce pauvre homme nous a demandé de nous rendre ici pour activer le serveur de la moelle. Allez, on est vraiment sympathique. Évidemment, ça sent le piège à plein nez. Sur le papier, ça a l'air facile. Salut Kaufman. Non, non, on ne parle pas. On est là pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que toi, hein. Y a pas que toi dans la vie. Hein. Oui, donc sur le papier, ça a l'air sympathique. Mais pas du tout. Pas du tout, il va y avoir 1000 monstres, il va falloir s'échapper du fantôme. Je vois déjà le truc gros comme une maison. Non, faut aller à gauche. Oh, finalement, le backtracking était pas si... Pas si loin, quoi. Ça m'a pas l'air... On peut pas passer là, évidemment. Ça aurait été trop facile. Allez, on y est là. Je me demande quelle surprise ils vont me faire là. C'est quoi la surprise? Quelle trouvaille les développeurs ont eu là pour cette mission secondaire. À mon avis, ils ont dû y bosser pendant 4 mois quoi. J'ai ma femme qui est en train de mourir en direct. Puis moi je suis en train de jouer. Ça va faire propre sur internet si elle meurt. Et que moi j'étais en train de streamer. On va encore dire du mal des hommes. Bon, c'est ça. Hein, c'est ça que je dois réactiver. Ah oui, j'ai eu peur. On dirait que ça a marché. Je serais bien de retourner voir Sykes. Oui, bah oui, moi aussi. Bon. Qui nous cause? Bon, par contre, on a forcément libéré des forces démoniaques. Hein. Par contre, on peut ouvrir toutes ces caisses maintenant. Alors, ça va être bien utile. Bon, un petit peu de fusil à pompe. Du pistolet, de la ferraille. Déjà, là, on sait déjà. Mais bon, on a du pompe améliorée, normalement ça devrait bien se passer. Oh putain, mais ta mère, toi, je t'avais pas dit déjà. Qu'est-ce que je t'avais dit?
Alors, faut pas que j'oublie que j'ai la hache et que je peux en tuer un d'un coup. Hein. Déjà, on va mettre le marqueur pour rentrer direct gentiment à la maison. Attends, mais c'est pas par là en plus. Voilà. Ça, tu raconteras ça à tes copains. Ce qui s'est passé quand tu t'étais énervé. Et en plus, il m'en refile une. Ça, c'est pas le bon plan, ça. Ah, il y a un petit truc qui brille. Ah bah, une diapositive encore. Ça nous en fait deux, là, regardez. Hein. Si je dis pas de bêtises. Attends, je suis comment, là? Il est où mon point de... Voilà. Qu'est-ce que je fais, là? Ouais, non, c'est bon. Ouais, ouais, si je dis pas de bêtises... On n'a pas pris d'escalier tout à l'heure. Si. J'ai pas souvenir. Ah, mais j'ai vraiment pas souvenir qu'on ait pris un escalier. Qu'est-ce que je... De goudou je vais, là? De quoi? De caisse? Ah, si, peut-être. Curieux. Non, moi je me souviens qu'on est passé en bas, mais bon, de toute façon, ne cherchons pas à comprendre, c'est le bon chemin. Qu'est-ce que je suis en train de m'embêter? Bon, non, mais non. Non. On est en train de commettre une grave erreur. Ce qui devait être anecdotique devient vraiment chiant. Alors certains diront que je me venge quand j'ouvre les portes. Ils n'auront pas tort. Ce coup de botte n'est pas anodin. Il traduit une certaine un certain agacement. Donc là on vient de là, on est bien d'accord. Et donc il faut... Maintenant on peut pas retourner par là. Attends, j'essaye de comprendre. On est rentré par ici. Donc on venait de par ici en fait. Voilà. Ça a été là. Mon erreur vient de là. Hein. Voilà. Allez, on se casse. Non, ça c'est pas possible. Je suis en train de speedrunner le truc là. Attends, je regarde vite fait quand même mon truc. Il faut que je tourne à droite. On va essayer de la jouer fine. En plus là il y a un petit truc à ramasser. Une figurine à tête branlante mystérieuse. Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant, mais n'arrivez pas à savoir où ni quand. Oui, d'accord. En tout cas, ça a l'air plutôt chouette, donc vous décidez de le garder dans votre salle. Très très bien. Prenez-moi pour un con. Et là, on fait à gauche. Oui, j'ai décidé de ne pas me battre. C'est une sorte de fin de mission pacifiste. Non, puis je vais gâcher toutes mes munitions sur 2-3 clampins, ça va. On sait déjà qui va gagner. Kaufman, ok. Je l'appelle toujours Kaufman, mais ça s'appelle pas Kaufman, c'est Hoffman. Allez, on rentre là-bas, on rentre au bercail. Il va être tout content qu'on ait réussi. Puis ça donne l'impression, l'illusion qu'on s'intéresse au jeu, toujours, quand on fait une mission secondaire. Mais je suis pas dupe hein, de votre artifice, je sais, il faut que j'attende 100%. On se croirait dans Assassin's Creed, vous vous souvenez, hein, quand on courait dans le vide comme ça, on se disait, oh bah chouette, ils ont trouvé une bonne idée pour nous faire patienter. Voilà, ici c'est exactement la même chose. Allez, on retourne voir le Black. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de reprendre un petit café? Non. On est full vie. On n'a pas besoin d'aller voir le miroir non plus. On a quasiment utilisé que dalle. Allez, on n'a pas besoin de sauvegarder vu que ça save de partout tout le temps. Non,
Oui, oui, on est au courant de ça. Il faut détruire les œuvres de Stefano. Ça fait au moins 20 fois que tu me l'écris. C'est gentil, mais... c'est agaçant, quoi. Allez, on retourne le voir. Il va être ravi. En plus, là, je vois une petite échelle que je n'ai pas utilisée. Elle me tend les bras. Il y a forcément quelque chose à looter en haut. Ah, il y a un petit charnier, là. On va se baisser. Pour faire croire que... qu'il pourrait nous détecter si on était debout, alors que pas du tout. À 500, hein, c'est pas mal. Ah bah du coup, c'est bien, oui, puisqu'on peut ouvrir toutes ces putains de caisses. Bon, on va être overpower, là, en fait. On va pouvoir crafter à mort. Allez. La ferraille. Bon, très bien. On n'est pas venu pour rien. Je crois qu'on peut quand même se laisser tomber, hein. Moi, j'aime bien cette idée de ne pas reprendre l'échelle. Voilà, on peut descendre. Voilà, très bien. Par contre, là, ouais, là, ils sont quand même un peu emmerdants, eux. Comment j'avais fait pour y aller? On va essayer d'être malin. Pour me voir, là. On s'est pas du tout passé par là, hein. Je crois qu'on avait fait le grand tour. Hein. Ils sont nombreux, là, hein. Pas dire, mais on le tente au sprint. C'est passé. C'est passé. Parfait. Alors je sais pas si les trucs repop, mais ou alors je l'ai loupé tout à l'heure, mais il y a plein de trucs que je n'avais pas point vu. Des loot que je loupe, quoi, en fait. Voilà, bah genre... Ah non, tout à l'heure, c'était parce que j'avais pas... Je pouvais pas la porter plus de munitions. On a upgradé. Bon, où est l'icône? Il est disparu. Ah, parce que c'est là, en fait. Ouais, voilà, c'est bon. Hé, hey, Coco. Hé, hey, Blackman. Je savais que vous alliez revenir. Bah oui. On a fait ce que t'as dit, même si on voulait pas. Sur un malentendu, finalement, on a fait ta quête. Le serveur est en ligne. Ouais, je suis déjà dedans. J'ai déverrouillé les caches, comme promis. Essayez d'ouvrir celle-là. Eh, on en a déjà ouvert deux, hein. Tu nous prends pour qui, là? Alors, elle est, voilà, elle est là. Alors, c'est quoi? C'est le calendrier de l'avant. Bah, c'est de la ferraille. Ah. Pistolet silencieux. Ce pistolet semi-automatique est équipé d'un silencieux réduisant le bruit des coups de feu. Mais également les dégâts. Ah oui, d'accord. En l'utilisant intelligemment, on va avoir du mal... Vous pouvez isoler des ennemis de leur groupe. Ah oui, on les picote. Et du coup, ils s'extraient du groupe. Bon, bah c'est bien, finalement. On a bien fait de faire cette mission. Moi, j'avais peur qu'ils me filent une... Alors, elle a un mainteneur... voilà. Et du coup, là, maintenant, on a le silencieux qui se trouve... Alors, non, on fait changer de style. Mais il a le même nombre de balles. Ok. Merde, je l'ai pas équipé. Ça va être un merdier après. Ok, donc on peut comme ça. C'est pas mal. Enfin, ça va être utile. Ok, et bon, faut toujours qu'on se dirige ici. Hein. Bon, merci Coco. Qu'est-ce que t'as à nous dire? Merci encore de m'avoir aidé. Je t'en prie. Plus dur est à venir. Oui. Donc vous pouvez vraiment faire ça? Vous toujours. Pouvez quitter Union? Comme je vous l'ai dit, je ferai tout pour. Mais je dois encore passer en revue une tonne de données avant même de commencer. J'espère juste pouvoir le faire avant que cet endroit ne devienne un tas de ruines et de viscères. Ça va me prendre du temps. Et si vous réussissez? Qu'est-ce qui se passe quand on sort d'Union? Si j'arrive à sortir du bâtiment de Mobius vivant, la première chose que je fais, c'est de désactiver cette satanée puce. Une puce? Ouais, tout le monde à Mobius
s'est fait poser une puce sous-cutanée dans le crâne. Un peu comme une puce RFID. Très malin. Mais en plus complexe. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. De l'administrateur au type qui fait le ménage. Et vous vous y soumettez de plein gré? Comme ils disent, une vie de privilège demande l'exclusivité. Cette puce ouvre de nombreuses portes à qui en possède une. L'inconvénient, c'est qu'une fois en place, ils peuvent me faire vivre un enfer si je leur désobéis. Le genre de truc auquel il faut penser si vous partez d'ici. Ok. Sortir d'ici pourrait m'intéresser, moi aussi. Je peux vous y aider, mais je vous attendrai pas. Je me tire d'ici dès que j'aurai trouvé une issue. Sympa. Votre meilleure chance de partir, c'est de rester avec moi en attendant que je trouve. Impossible. Je ne partirai pas d'ici. On doit trouver Lily. Théoriquement, si vous la retrouvez, vous réhabiliterez cet endroit et pourrez sortir. Je préfère prendre la sortie de secours avec Lily. Mobius veut la rebrancher au STEM. Et Dieu seul sait ce qu'ils ont prévu de me faire. Si je pouvais m'éclipser pendant qu'ils regardent pas. Bon, dans tous les cas, j'ai du pain sur la planche. Sinon, personne ne prendra la sortie de secours. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Prévenez-moi quand vous partez. Ok. Bonne chance à vous. Merci. Oui, moi, c'est ma fille, ma bataille. Il faut absolument que je retrouve Lily. Sinon, ça ne rimerait à rien si j'arrivais et que je repartais. Je serais pas un bon papa. Je m'en voudrais. J'aurais des regrets. Non, toujours pas. Bien qu'on puisse, qu'on pourrait y aller. Hein. Non, on va pas au grader tout de suite. On va continuer les... Il y a toujours cette animation là, comme s'il y avait... Il fuyait quelqu'un. Ils auraient dû adapter l'animation en fonction de s'il y a des ennemis ou pas, quoi. Bon, je suis pas fou, alors peut-être que c'est pas la bonne destination à prendre en premier. Hein. Peut-être que c'est celle-ci. Bon, allez, je vais aller tout droit. Très loin en plus. Hein. 65 mètres. On peut le faire. On me snipe. Hein, voilà, c'est ça. Hein. Et ça va être sur la droite. Évidemment. Voilà. Exactement ce qu'on voulait pas. Ok, mais on est arrivé. Non, qu'est-ce que je fais? L'œuf de Stefano. J'en prends ça. Ok. Bon, déjà on a 14 mètres. J'ai ma petite manette qui vibre. Hein. Là, il y a du. Oh, double gerbe d'or. Allez, la machine. Merci bien. Ah non, cette fois-ci, elle m'a donné un petit fusible. Amusez-vous à taper comme ça dans les. Quand vous prenez le métro dans les machines, vous allez voir, ça va vous filer un fusible. Moi, dès que j'ai mon fusil bisaute, je vais sur le porte de vente, ligne 13. Je donne un coup de botte vers minuit, quand il n'y a personne, pour pas me faire repérer, parce que je suis pas non plus un délinquant. Et bon, bah, c'est comme ça que je me dépanne en fusible. C'est juste une photo. Allez, on la détruit. Allez. Je vais te lacérer la gueule. Drôlement vulgaire. Ah bah voilà. C'était bien la peine d'être vulgaire. Bon, ça sent le boss fight. Oui, évidemment. Merde. Fermé. Ah, il faut une clé. Il doit bien y avoir une clé ou quelque chose. Ouais, évidemment. Oula, toi. Avec tes petites pattes là, je t'aime pas du tout, toi. Alors là, je t'aime pas du tout. Encore toi. Il faut la tuer? Non, faut trouver la clé. Ah putain, quand on est habitué à The Last of Us Part 2, on a vraiment envie. On a vraiment envie de pouvoir avoir à travers les murs. Alors j'ai souvenir que quand j'avais fait le jeu, enfin les 11 premiers chapitres,
Elle est là, la clé. Bon, putain, si c'est ça, on a été magnifique. Bien. Ça devrait me rapprocher un peu de cette œuvre. Quoi ? Ah, évidemment, ça va pas se passer. Merde. Comme ça. Je peux peut-être l'éviter. Évidemment, j'ai très peur. Là, comme un con, je suis en train de l'attendre. On pourrait peut-être prendre les boutrolles pour la... Quoi? Ah merde. Ok, j'ai compris, t'es con. Allez. Et puis, il y a besoin de ça soit si violent, franchement. L'époque est pas, déjà assez déplaisante. Besoin d'en rajouter toujours, hein, d'être dans la surenchère. J'ai cru, mais moi j'étais en mode speedrun, là, on peut ouvrir cette caisse, on n'a pas besoin de la tuer. Faut pas qu'elle nous ait repéré, quoi. Je recommence ma technique, parce que je sais que ça peut fonctionner. Là. Je crois que je suis en train de faire un truc pas mal. Y'a aucune raison qu'elle vienne là, normalement. Si elle vient, c'est que c'est scripté de merde et que ça va me gonfler. Hein. Là, j'ai bien joué. Allez, c'est bon. Va te faire enculer. Pardon. Avec un peu de chance, ces trucs me laisseront tranquille à maman. Vilaine, voilà. Oui, il faut penser printemps, hein. N'oubliez pas ce que le président a dit. Hein. Donc, vilaine, pas va te faire enculer. Voilà mon œuvre d'art. Alors, déjà, on va remettre le flingue, hein, si vous êtes d'accord. On a pas mal joué là, avec le coup des boutrolles. Ok, il y a du filament un petit peu partout. On va remettre... Ok. Bon, il va falloir qu'on se faufile. Tel un furet. Bon, ça a pas l'air très très compliqué pour le moment. Ok. Hoffman, j'espère que vous aviez raison à propos de ce truc. On peut passer là. Passe là. Oui. Ok. Et là. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que quoi ? On peut pas ? C'est bien ça. J'y suis là. Ah c'est voilà. C'est parti. Voilà, on lui a détruit son œuvre de merde d'art. Et on est retourné à l'hôtel Sanctuary. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est l'hôtel détruire du Sanctuary. Le travail de Starry a vraiment un effet thérapeutique. Mais ça n'est pas encore fini. Encore un. Ok. Du coup, j'avais pas ouvert cette petite porte. Bon, de toute façon, elle était fermée. Ça s'est relativement bien déroulé. Je suis assez surpris. Je me souviens qu'il y a 4 ans, quand j'avais fait le jeu,
cette séquence m'avait emmerdé. Et du coup, là, je me suis dit, on va faire complètement l'inverse de ce que tu as fait il y a 4 ans. C'est-à-dire que tu vas appliquer ce que les tutos te disent. Donc, les boutrolles, très utile. On l'a bien. Bon, ça s'est très bien passé. Voilà, c'est toujours pareil, n'ayons pas peur des mots. Ça s'est très bien passé. Ça a été une excellente séquence. Je vais la mettre en highlight sur YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube Boson 14. Elle sera dans le best-of, quoi. Bon, en plus, on n'a pas perdu de vie. Enfin, bref, je veux dire, là, c'est le succès total, quoi. Bon, 41 ans de jeux vidéo aussi. Je veux dire, ça tombe pas de non plus de nulle part, hein, tout ça. Ouais, tiens, je t'entends rigoler. Tu vas moins rigoler, hein, parce que tu sais quoi, ma grande, j'ai upgradé le sniper. Ça va te faire tout drôle. Quand tu vas te prendre le premier pruneau. Je suis même pas certain que tu puisses rentrer dans le bus et ça se trouve je peux te niquer. Non, 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 tu m'as pas vu. Ah putain, si. Putain, mais non. Je peux me faire avoir par mes propres explosions. Ah oui, je me fais avoir par mes propres explosions. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Quoi? Allez, viens. Ah voilà. Là je pense que là il y a une décision de prise, c'est de crever. Putain, mais elle était beaucoup plus difficile que dans le. Allez, 3500. Évidemment, ça valait le coup de vider son arsenal. 3500 quoi. Bon, évidemment, on a perdu beaucoup de choses. Bon, et même, vous faisait chier depuis le début, hein. Faut quand même être franc. Elle nous cassait les couilles depuis le début. Ah, on a localisé un nouveau. Qui se trouve ici. C'est les couilles au début, elle, hein, à rigoler. Ah bah tiens. Mais par contre, là, il a fallu vraiment. Elle était puissante, quoi. Le jeu nous disait t'es pas censé la tuer tout de suite, quoi. Hop, une petite herbe. Un petit peu de marijuana. Bon. J'aurais pas des propos qui peuvent tomber sur le coup de la loi, mais bon. Ça peut pas nous faire de mal, un peu de marijuana. Hein. Le territoire est hostile. On peut changer un peu les idées. Ah. Je suis de naturel conservateur, mais bon là, vu les circonstances, allez. Soyons pas trop cons. Même les alcooliques, là, prenez un petit verre de vin, hein, c'est bon. Ça compte pas. On n'est pas loin, mais du coup on est quand même loin. On peut faire le grand tour. C'est quand même drôlement bien qu'elle soit plus là. Hein. Elle nous empêchait. Il y a du ragondin par ici. Ok, on n'est pas loin de l'œuvre de Stefano.
effectivement, 60 mètres. Attends, je suis pas certain de mon affaire. Ah non, mais l'œuf de Stefano est ici. Je suis tenté de faire ça au flingue. Ils sont combien là? Tout en sachant que j'ai le sniper, hein, faut pas que j'oublie. Et j'ai encore la hache. Oui, j'ai une hache. Hein. Pas ce que je suis en train de foutre. Ça, c'est pas du tout là. En tout cas, ils ont une vision qui porte peu loin, hein, parce que. À part si je cours. Ouais, donc en fait on se plante complet. Ça permet un petit peu de looter, de voir un petit peu que tout est vide finalement. Attends, je suis pas fou quand même. Enfin si, mais pas pour ça quoi. Faut qu'on rentre dans cette putain de bicoque. Bon là c'est... Pas certain d'avoir envie hein. On n'a pas du... On peut la tuer du premier coup, elle. Allez. Oh non, là, c'est pas possible de la relouper. Je suis complètement... S'il en faut 3 pour les tuer, on voit pas trop l'intérêt hein, de ces trucs-là. Hein. Si c'est comme ça, je préfère y aller à la hache. Hein. La hache, elle est bien parce que ça nous permet de... Oula. Ça nous permet de sortir d'une situation hostile. Pourquoi il veut pas se mettre à couvert? On la tue comme ça. Attends, voilà. Voilà. Par contre, l'autre nous a vu. Mais bon, fallait faire un choix. Voilà. Allez, hop. Bon, elle nous redonnera pas de hache. Finalement, c'est une chose que j'ai compris, c'est que c'est les gros, quand on les tue, eux nous refilent systématiquement leur hache. Donc un gros maintenant, on le tue systématiquement à la hache, il est gratuit quoi. Bon, ils ont amoncelé tous ces corps pour les brûler. Là il y a une poubelle, bon allez, on en est là, on fait des poubelles évidemment. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Une couche, bon. Très bien. Ah mais si, il y a une petite hache. C'est Byzance. Pas certain qu'on se dise... Ah bon, on peut toujours aller à ce point de résonance. Hein. Finalement, sans le savoir... on fait toujours un peu de la quête, quoi. Secondaire, sans le vouloir. Normalement, lui, on peut l'avoir par le de dos. Hein. Oui, allez. Oh putain, elle allait se retourner cet enculé. Pardon d'être vulgaire, mais c'est fou. Allez, et on a une clé. Une clé qui sert à quoi? Alors, c'est la clé de la réserve. Trouvée sur un cadavre dans une allée, cette petite clé ouvre la réserve située près de la poste. D'accord. Et ils nous disent où elle se trouve, la poste? La réserve près de la poste. Une clé, c'est qu'il y a un verrou. Je me demande où il peut être. Retiens ça, Romain. Près de la poste. Merde, je suis prise au piège. Au secours! Quelqu'un m'entend? On va savoir son histoire, comment elle est morte. Je dois pas regarder. Putain, ce que je voulais, c'était juste trouver le blindé.
pouvoir venir te chercher avec le blindé. Ok, ok. Bon. Merci pour tous les abonnements de ce soir. N'hésitez pas à me follow sur Twitter. Sur Twitter. Sur Twitch. Bon. Et puis. Et puis pour voir les VOD sur YouTube, c'est Bosseron 14, c'est pareil. J'ai fait exprès, je me suis dit que ça allait être plus simple. Ouais, on a trouvé quelque chose là encore. Une figurine mystérieuse. Ouais, la petite, le petit clin d'œil, allez, le petit easter egg merdique. Bon, très bien, on a une clé qui ouvre la réserve près de la poste. Alors moi j'ai pas vu de poste, mais en même temps je lis peu les panneaux. Plutôt focalisé. Quoi? Encore? Oh bah non. C'est quoi ce truc là? Ah bah c'est encore elle. Ah bah voilà, mais c'est ça qui est très agaçant, c'est qu'on la tue puis qu'elle revient. En fait elle revient dès qu'il y a un amoncellement de corps. Allez, on va aller à gauche. Et on peut pas, putain. En tout cas, ça l'a fait marrer, elle. On ne peut pas m'avoir vu, là. Technique de la boutrolle. Hein. Technique de la boutrolle. Allez, ici. L'avance. Ouais, voilà. C'est bon. On y est. Le jukebox, il nous dit quelque chose? Non, absolument pas. Ok. Bon, c'est pas trop mal démerdé, ça va. Et en plus, on regagne une boutrolle ici. Bon. Et puis une deuxième, allez, que demande le peuple. Bon, ça se passe relativement bien, là, une fois qu'on a compris un petit peu les patterns, les mécanismes. C'est pas un jeu non plus très exigeant. J'ai loupé une herbe, là. Alors, curieusement, il veut pas passer par-dessus le bar. Monsieur a des principes. On n'enjambe pas un bar. Alors, autant il est super renégat en ville, Il monte sur les bagnoles et tout, mais alors par contre là le bar, non, ça c'est... Sa religion lui interdit formellement. C'est moi où il y avait un reflet foufou. C'est le reflet de quoi? De rien du tout. Ou du jukebox dans une autre dimension. Allez, on va dire que c'est pas grave. Un petit peu de lecture inintéressante, ça faisait longtemps. La dernière entrée de ce journal usé. La brasserie est en plein essor. Les affaires vont bien. Il y a plein de nouvelles têtes à Union ces temps-ci. Les gens arrivent en train et ils ont soif. Si ça continue comme ça, je pourrais enfin me payer de bonnes tireuses à bière. Pete, personne s'appelle Pete hein, dans la vie. Hein. Pete se plaint qu'il y a trop de monde. Moi je dis plus on est de fous, plus on rit. Il a toujours été un peu irascible. Et il est vraiment bizarre ces derniers temps. Il s'assoit à son endroit habituel, regarde les nouveaux clients d'un œil mauvais et parle dans sa barbe. Je devrais le mettre à la porte, mais il a toujours été mon meilleur client. Je suis ravi d'avoir lu ça. Ça me manquait. Ok, le tableau est ici. Bon, on progresse, hein. Voilà, un petit truc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas upgradé ni rien, mais bon, je pense qu'on va pouvoir le faire. Bah, pas maintenant. J'espère qu'ils nous ont pas remis une séquence où faut éviter. Faut éviter encore l'espèce de truc à 4 pattes avec la caméra. C'est ça le souci, c'est que sur Dead Space, quand ils avaient une bonne idée, ils l'utilisaient qu'une seule fois. Là, ils ont une mauvaise idée et ils la multiplient. Et on se retrouve encore dans un couloir complètement
random qu'on a déjà vu 1000 fois. Ne crie pas. Tu deviens une œuvre d'art. Tu vas faire partie de moi l'obscura. Bioshock avait déjà fait ça, l'artiste fou. C'était net. La chair. Moins malléable que l'argile, mais plus douce encore que le marbre. Le matériau parfait. Ceci dit, l'effet de... Voilà, comme ça, est bien réalisé. Impossible de se concentrer avec ces cris. Une sculpture n'a pas besoin de langue. Je peux pas prendre la clé. Tant qu'il a pas terminé son speech, je peux pas prendre la clé. J'arrête de me plaindre. Et voilà, ils vont nous refaire le coup de le truc à quatre pattes, hein, j'en suis convaincu. Hein. C'est fou, hein, cette histoire. Peut-être pas. Oh, bonjour. Ça, c'est pas mal. Ça me met mal à l'aise. Qu'est-ce que j'ai? La smoke peut m'être utile. Hein. Si c'est encore un truc d'évasion. Parce que je me plains beaucoup de la smoke. Enfin, de l'arbalète smoke. Oula, quoi? T'es qui, toi? Ok, c'est translucide. Oula, mais ils viennent là? Ok, normalement je peux le tuer, hein. J'ai l'upgrade pour ça. Hein. Putain, chier. Ah, et puis je suis plus sur le flingue. J'ai la hache, hein. Voilà, au moins ça c'est fait. Et toi t'es où, enculé? Bon, je peux peut-être me le faire un peu à l'ancienne, à la communiste. On va se le faire à la communiste, c'est-à-dire dans le dos. Oh, puis en plus il y a encore une autre hache. Ils sont généreux. Non, on va le faire à la communiste. On va l'attaquer dans le dos. Voilà. À la trotskiste. Allez, viens mon gros. Putain. Merde. L'autre fusil à pompe. Hein. Allez. Bon, c'était une affaire rondement menée, ça. Ça aurait pu terriblement mal se passer. Au final, j'ai perdu quoi? Rien du tout. Deux balles à pompe. Je peux être relativement fier de moi. Là où je vois que sur le chat, ça s'enflamme. Merci. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, alors faites pas vos surpris, hein. Vous connaissez mon skill. Je crois que je suis en train de retourner en arrière. Non, c'est bon. Ouais. Donc ça veut dire qu'on pouvait s'évader sans fighter. Alors j'étais mauvaise langue, hein. J'ai cru que ça allait être encore la caméra, puis au final non. Bah, tant mieux, hein. je préfère jouer en général, hein, que de me... Donc là il va falloir encore qu'on fasse le ragondin. Ouais. J'intitulerai cette vidéo 5 le ragondin. C'est bien qu'il y ait toujours un petit peu de mystère. Bon, si j'utilise la lampe torche, la torchlight, ça va être un petit peu plus sympa. Je vais mieux voir les fils. C'est une question de patience, ça. Putain, ça me fout les jetons. J'ai le casque assez fort, alors des fois, quand il y a les sons, ça fonctionne. C'est quoi ça, le petit baudruche, là, la couille là qui pendouille?
un piège. Normalement, on peut passer là. Si on fait pas trop le con. Voilà. Voilà. Bon. Voilà. Alors, c'est qui le patron? C'est marqué quoi? La brasserie du diable? Je sais pas si c'était marqué la brasserie du diable. J'ai vu du diable et bon. Les deux sont détruites. Ça devrait avoir marché. Oui. Voyons si je peux entrer dans le théâtre maintenant. Bon. Il était là déjà là. Il était déjà là lui. C'est toi qu'on a lu ton journal, hein? Où tu faisais tes états d'âme, t'étalais ton pathos là sur ton client. Qui était vilain mais qui était. T'osais pas foutre dehors. Bah tu vois? D'avoir eu des mauvaises pensées, comment ça se termine? Ok. Et du coup, bah. On va se diriger. D'un pas régulier mais mécanique vers l'entrée. Alors ils ont tous disparu et là je vois une hache qui me tend les bras. C'est parfait, j'adore la hache hein. C'est très 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 agréable de sentir la vibration quand on en tue un d'un coup. L'œil est où? Ah bah oui, il est toujours bien là. Bon, là, c'est là où on a aidé notre ami Black. J'ai l'impression que c'est pas par ici hein, qu'il faut que je me... Si, si, c'est bon. Quoi? Ah bah d'accord. Ah bravo. Ah mais bravo. Oh là. Non, non, c'était pas ça que je voulais dire. Moi, je voulais juste fouiller dans la poubelle. Putain, mais il va m'obliger à passer par là. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Encore? Il me montre pas ce... Ah si. Il y a un autre moyen de passer par là? C'est de faire tout le tour? Je me souviens plus. Eh oh, baisse-toi là. Mec, tu vois bien que c'est dangereux? On va faire le tour. Bien trop nombreux. C'est peut-être pareil ici, remarque. Bon, on se refait une petite poubelle. On y a pris goût. Que voulez-vous? On y a pris goût. En vrai, vous savez, vous commencez à faire une poubelle, hein, je sais pas pour vous, mais après, bon, vous en faites une, vous en faites deux. Le vertige vient vite. Le vertige de la poubelle, puis après, on fait toutes les poubelles. La honte disparaît. À vitesse grand V. Je vais faire un grand détour. Ça, on l'avait déjà fait. J'ai la souvenance. Et ben, très bien, on a évité tous ces coquins pour être poli. Et maintenant, c'est ouvert. Alors, c'est marrant, quand il a pas d'endurance, il boite. Alors que, bon. Pour être essoufflé, mais boité. Allez. Ça va faire une bonne VOD, hein, ça. Hein. Putain, 2 heures. Je crois que c'est normal, ça, de passer 2 heures sur un jeu vidéo comme ça, là. À 6h du mat. Vous croyez que ça me rend heureux, moi? Vous croyez que c'est normal? C'est quoi, ça? C'est quoi, cette vie? Il est forcément quelque part par ici. Ah bah oui. Allez hop, chapitre 8. On va se laisser ici. Ah, je sais, voilà, tout le monde est déçu, mais bon, on va se laisser ici et, bon, très très rapidement, on va enchaîner sur le chapitre 8. Je vais faire une petite pause, hein, voilà. Je vous souhaite une bonne matinée ou une bonne nuit, hein, ça dépend des gens, si vous êtes un nocturne. Ou quelqu'un qui pense printemps et qui aime bien aller travailler avec son masque. Bon voilà, je vous embrasse très très fort. Courage à tous, hein, en ces temps troubles. C'est important. Allez, bisous, à bientôt.